Oh, qu'est-ce qui se passe la famille? Putain, vous m'avez manqué. Mais je vais arrêter de dire cette phrase à chaque début de mes vidéos parce que vous me manquez tout le temps. Mais voilà quoi. Bref, journée de confinement numéro... je sais pas combien, voilà. On a arrêté de compter parce que ça me bat les couilles. Mais bonne nouvelle, le déconfinement s'en vient très 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 bientôt. J'espère que vous avez tous fait vos devoirs. Et plus important, j'espère que vous avez appris des trucs très importants, très essentiels dans la vie. Voilà, j'espère que vous avez pas joué à FIFA tous les jours, hein. Parce que... moi, je l'ai fait. Bref, voilà. Ça, c'est pas le but de... la vidéo. Avant de commencer la famille, je voulais vous dire un très 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 grand merci parce que je suis redevenu actif sur ma page YouTube depuis le déconfinement et ça va faire environ un mois et demi. J'étais à 3000 abonnés et maintenant on est 12 000, alors main applaudissement, merci public. Bref, je tenais à remercier tout le monde qui participe à partager cette page, partager ce compte, like toutes les vidéos, regarder les vidéos jusqu'à la fin parce que moi je vous adore, je vous kiffe. Bref, on va rentrer sur le sujet de la vidéo aujourd'hui. Alors, comme vous savez, le déconfinement s'en vient très 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 bientôt. Pour les personnes qui ont décidé d'aller en voyage, ça fait un mois, personne dans le monde entier a voyagé. Alors, si vous cherchez des endroits à voyager où personne n'est allé, personne ne s'est aventuré là-bas, chacal. Ben là, t'es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler des noms des villes les plus chelous qui existent sur la planète. Ah bah oui, chacal, il y en a des chelous. Et ouais, comme vous savez, j'ai déjà fait une vidéo comme ça sur les noms de villes au Québec. Mais cette fois-ci, on s'attaque pas au Québec, chacal. Ah non. Là, on va attaquer un public plus gros. On va les secouer. Là, on va parler des noms des villes les plus chelous en France. Ah ben oui, chacal, il y en a. Alors, tout d'abord, avant toute chose, sachez que ce ne sont pas des insultes que je suis en train de faire à la France. Vive la France et tout. Les baguettes, le croissant. On aime bien ça. Tapez comme jamais. Merci à la France pour tous les artistes que vous mettez sur la planète. Mais là, chacal, je suis tombé sur des noms des villes chelous. Ça m'a fait poser des questions dans ma vie, des questions existentielles à propos de mon existence terrestre. Ville numéro 1. Mais quoi, chacun? Non. Mais dis-moi. Non, chacun, le nom de la ville c'est mais. Pas mais, non, mais. Il y a un Z à la fin, je pense qu'on prononce les Z. Je pense. Non, ça va être des Metz. En passant, y a pas les mais pour manger là? Quelque chose à manger, c'est un mais. Donc vous vous donnez le nom de ville. Vous avez la dalle ou quoi les mecs? Vous voulez manger? Venez, je vous amène au Congo, on va tous grailler et tout. Mais je comprends pas trop les choses là. Alors peuple de mon peuple, oui, la ville mais existe très bien. Mais y a juste 117 000 personnes qui vivent là-bas. Et dans les 117 000 personnes, c'est dit Les mecs. Mais ce nom de ville est chelou, hein. Ok, mais on va passer à nom de ville numéro 2. Bon. Le nom de cette ville me porte encore un peu confusion là. Ma tête est un peu en train de tourner en ce moment. Ah ouais, le nom de la ville. Bouc étourdi. Qui dans cette planète Terre s'est vraiment mis sur une table, une assemblée, tout, ils ont dit bon, aujourd'hui j'ai un nom de ville très très spécial les mecs. C'est quoi le délire du bouc étourdi les mecs? Vous avez tué un bouc et vous étiez fiers ou bien? Parce que je comprends pas. Rendu là, mettez poulet en désespoir. Côte des porcs qui s'enfuit. Attends, j'ai une meilleure. Canard en hesse. Alors sachez que le nombre de la population de cette ville n'est pas répertorié. Espérons même qu'il y a des gens qui vivent sur cette ville-là. Parce que rendu là, moi, si j'habitais là, oublie, j'aurais fui depuis un bon moment. Et moi, tu perds toute ta crédibilité, chacun. Imagine, tu parles à une meuf et tout. T'es là en mode, viens chez moi, viens dans ma ville et tout. Ouais, mais t'es dans quelle ville? Ben moi, je suis dans le bouc étourdi. Bouc étourdi? Bouc des nini? Oublie, c'est mort, chacun. Crédibilité zéro. Déjà, la famille, j'ai réalisé, je commençais à avoir des cernes. Je commence à ressembler à l'âme, là. Alors, prochaine ville. J'ai du mal à le dire un peu. J'ai peur que YouTube me coupe, me censure. Le fion. El Fiantororo. Oui, mesdames et mesdames, le fion, vous avez bien entendu. Je sais pas si c'est possible de mettre des noms de parties du corps en mode ville. Rendu là, moi je vais mettre biceps. Alors, petite précision, le nom de la ville au complet c'est Saint-Amand-sur-Fion. Mais, vu que là-bas il y a un fleuve qui s'appelle le fion, Fiantororo, les gens préfèrent couper sur j'habite sur le fion. Donc ils sont fiers de le dire. Oui, t'habites où? Le fion? I got you. Si quelqu'un vient me dire par exemple, ouais, chacal, moi j'habite sur le fion. Ma question à moi serait, ouais, dans le fion en profondeur? Genre, très profond dans le fion ou? Eh, c'était claqué. La prochaine ville là, c'est ça, moi, rendu là, coupez la vidéo ici, arrêtez. Vous savez quoi, je vais vous faire deviner, on va jouer un jeu là, vous et moi. Cette ville est un animal. Oui, quoi? T'as quoi toi? Chien? Non? Loup? Non? Ok, animal à quatre pattes. T'as quoi toi? Non? Alors je vais vous donner un indice. Miaou. Tu l'as ou pas? Tu l'as? Miaou.
Non, je sais ce que t'es en train de te dire. Tu te dis, ouais, chat. Non, chacal. Chat. Les féminins. Oui, t'as capté. Chat. Miaou. Les mecs, ils ont mis un nom de ville d'un animal. Mais pas n'importe quel animal. Le nom d'animal le plus controversé dans cette planète. Dans ce monde, oui. Moi, j'ai un nom d'une ville. C'est quoi, la chatte, oui. Bravo. 10 sur 10, je t'aime. Alors, je suis désolé pour les 2000 habitants qui habitent là-bas, mais sachez que je vous aime quand même. S'il vous plaît, quittez cette ville, quittez. Alors attendez, avant d'aller à la prochaine ville, je voulais juste me regarder, me recadrer un peu. C'est bon. Alors oui, la prochaine ville, mesdames, essayez de deviner un peu, hein, le nom de votre tante. Mais pas n'importe quelle tante. Tu vois la tante là qui fait chier un peu tout le monde là. Pour le prochain nom de la ville, je vais vous mettre en contexte. Un mec et une femme s'appellent. Salut. Salut bébé. Ouais, tu te ramènes chez moi? Oui, mais t'habites dans quelle ville? Ouais, bibiche. Non mais arrête de m'appeler comme ça. Non, bibiche. Non mais arrête, je t'ai dit, j'aime pas ce mot. Non mais bibiche. Oui, mesdames et messieurs, le nom de la ville s'appelle bien Bibiche. Eh, j'en ai marre, c'est quoi ça? Le pire, tellement le nom est chelou, tout le monde est en train de s'enfuir de la ville. La ville, il y a 450 habitants. Limite, les mecs, tant qu'à être la ville, c'est un club ou quoi? Eh, hey, allez au club, il y a 450 personnes dans le club là. Oh, quel bail, vous connaissez tous? C'est quoi le délire là, des bibiches, Oh, bibiche. Prochain nom de ville. Désolé, il y a quelqu'un qui est en train de rire à côté ici depuis tantôt. Mais moi, j'en peux plus. Une minute de silence pour le prochain nom de ville qui va venir. Vous voyez, tantôt on est passé sur un animal. Et là on retourne sur le corps humain. Une des parties les plus controversées du corps humain, chacal. Devine, essaie de réfléchir, ok? Devinette, je suis petit. Je suis situé entre deux bosses. Anus. Ne riez pas, ça existe bel et bien. Attendez, je vais boire un peu d'eau là. Comment est-ce possible? Alors je ne veux pas dire le nom de cette ville deux fois dans la vidéo parce que j'ai peur que YouTube coupe ma vidéo. Ok, dans cette ville, le nombre d'habitants est indéterminé. Nous ne connaissons pas qui vivent dans cette... Voilà, le nombre d'habitants est indéterminé. Mais selon moi, je pense qu'ils doivent tous être serrés là. Ils doivent tous être contractés un peu, tu vois, parce que... Déjà l'anus, je l'ai dit deux fois. Prochain nom de la ville, on va passer au grand frère. Oui, là on était à l'intérieur. On était en profondeur dans la France. Dans un coin très caché. Maintenant là on va dans la surface. Je vous mets encore en contexte. Allô bébé, tu viens me rendre visite dans ma ville là? Oui chérie, c'est quoi le nom de ta ville? Ah ben mon cul, ouais. Oui, mesdames et mesdames, vous avez bien entendu. Vraiment là, je me sens comme un bouc étourdi là. Alors dans cette ville, il y a 1715 habitants. Ça fait quand même beaucoup d'habitants hein, pour mon cul. Hein. Ah ouais, dans mon cul là-bas, ils passent, ils sont là, ils sont toute une population là. Ouh. Message encore à tous les Français, je veux dire, sachez que, ouais, je vous respecte tous, mais vraiment les gens qui habitent mon cul, laissez tomber. Ok, ouais, moi je suis bon là. Parce que vraiment jusqu'à maintenant, tous les noms de villes que j'ai dit sont très cons. Ouais, c'était une blague de merde. Oui, la prochaine ville s'appelle très con. C'est très con. Voilà, c'était la meilleure blague de la vidéo. Je vous laisse, bye, à la prochaine, ciao. Je sais que t'as kiffé très con, tricot. Et dans cette ville, il y a... Attendez. Il y a 75 personnes qui habitent là-bas. Il y a minimum 75 personnes dans ma famille. Est-ce qu'ils sont tous là-bas ou bien les mecs Oh, les SO, vous êtes là? 75. Parce que vraiment, si toute ma famille est là-bas, c'est très con que moi, j'y sois pas. Je trouve ça très con. Ouais, très con. Prochain. J'ai un pote à moi. Il a eu un problème avec la poste. La poste ne lui a pas rendu son colis. Et bizarrement mon pote il habite quelque part. Tu vois, il habite dans une ville et tout. Moi je lui ai dit, bon chacal, là il y a un problème. Je viens dans ta ville et on va régler le problème avec la poste là. Là lui il me dit, ouais chacal, ramène toi s'il te plaît. Ouais chacal, je m'en viens. T'habites où? Ouais chacal, t'inquiète, arnaque la poste. Non, pas... Non, j'arnaque pas la poste là. Je viens t'aider avec la poste. C'est quoi le bail là? Non. Non mais chacal, arnaque la poste. Oh, comment... Comment tu... Non, chacal, je... Non, la ville, chacal, c'est arnaque la poste. Il y a une ville, les mecs, qui s'appelle arnaque la poste. Oui, Jeff Bezos doit pas être très content là-bas. Si un jour vous perdez vos colis et tout, c'est là-bas, les mecs, ils se trouvent là-bas. Alors, là-bas, déjà, c'est mieux que mon cul. Là-bas, ils sont 975 habitants. Ça fait quand même une petite population hein, pour des gens qui arnaquent la poste. Bon, l'ami, pour la dernière ville, on va faire une devinette. Le nom de la ville se trouve dans cette conversation entre deux potes. Alors, c'est deux potes qui sont en train de parler. Chacal, j'ai la meilleure blague au
au monde pour toi. Tu vas me dire si tu kiffes ou pas. Ouais. Ok, c'est deux oignons qui traversent la rue. Pendant qu'ils traversent la rue, il y a une voiture qui roule sur un des deux oignons. Puis là, l'autre oignon, il fait... Oignon. Alors, t'as kiffé ou pas? Ouais. Oh, comment ça... Avoue, elle était drôle ou pas? Ouais. Voilà, mais vous avez 5 secondes pour réfléchir au nom de la ville. Vous l'avez ou pas? Ouais. Ah, vous voulez que je vous le dise? Ouais. Je suis pas très chaud là. Ah, ouais, je vais vous le dire. Et ça, c'est la meilleure. Le nom de la ville? Ouais, c'est ça. Ouais, chacal, t'as capté. C'est ça le nom de la ville. Elle est bonne ou pas? Ouais. Eh, je me suis tapé des barres dans cette vidéo, putain. Il y a quand même 484 habitants qui habitent chez moi. Arrête de rire. Mais ouais, chacun, ils habitent chez moi. Ils veulent pas rester chez eux. Fallait qu'ils viennent chez moi. Mais laissez-moi être tranquille, là. Eh, dis donc, on est où, là? On n'est pas chez moi. Bon, c'était tout pour la vidéo aujourd'hui, chacun, je vais rentrer chez moi. J'espère que ça vous a donné une petite idée de quelle ville aller visiter en France. Hein. Vive la France, vive les baguettes. Mais tu dis Charo. Sinon, ouais, mais vous en faites pas, même nous au Québec ici, on n'est pas mieux. Hein. Je pense que c'est comme ça dans toutes les villes dans le monde. Je pense qu'à l'époque, les gens, ils habitaient tous à mon cul. J'arrête avec les blagues sur mon cul, là. Sur la ville de mon cul. Ouais. Bon, là, mais je vais vous laisser, je vais aller manger du poulet. Non, du cochon. Non, du... Ouais. Bref, passez tous le bonjour à Bibiche. N'oubliez pas tous d'aller à l'anus. Parce que si vous la saluez pas, ça serait très con. Et bien sûr, faut nourrir votre chatte. Bref. Non, nourrir, non. Votre animal, l'animal dans la ville, chatte. Hey, cette vidéo commence à prendre une tournure chelou. Bref, je vais vous laisser la famille. On se voit bientôt si t'as kiffé ou si t'as pas kiffé. Bye!